salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du Let's Play de Borderlands Pre-Sequel, toujours en compagnie de Jay-Z. Salut. J'ai encore ouvert deux boîtes, on a pris des clés sur le Twitter de Shift et voilà. Serena, mon amour, j'arrive. Voilà, je préfère ça. Tu vas te taire, Jack. Je te rebondis sur la tête. C'est parti. On veut voir le mérif. What? Sérieusement? Sale machine débile. Ah, ouais, faut monter. Mais oui. Qu'est-ce que je suis drôle. Allez, on monte. Toujours aussi con les. Il va aller trop haut, je vois. Ah non, ça va. What? C'est pas la bonne hauteur, mais c'est pas grave. Le bureau du mérif, ça va être une petite zone. J'espère que les précédentes vidéos vous ont plu, hein, que le son est bon, que l'image est bon, etc. Attention, toute violation de propriété appartenant aux autorités sera punie d'une mort immédiate. Merci. Merci, s'il vous plaît. Pas de visite aujourd'hui, désolé. La sortie se fait par la boutique de souvenirs. Hein. Y'a un peu de santé par là. Ils ont rajouté un nouvel événement, un nouvel élément, le gel. Il n'y était pas avant. Maintenant je gèle tout le temps. J'ai 50% de gelé. Voilà. Par contre ça défonce les boucliers. Les munitions ça suffit quoi. La santé est par ici. Je suis pas là. J'ai quitté le bâtiment là. Qu'est-ce qu'il raconte encore? Toujours chercher. Mon amour, j'accours à tes côtés. Agent, ouvre-moi cette porte. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de la part d'un civil. Enfin, bon, comme de toute façon j'allais le faire. Oh, on peut s'arranger, mon Jaco. Je travaille pas vraiment pour Zarpedon. Meredith, je vous arrête pour avoir enfreint l'article 31-10 du code moral d'Elpis qui interdit les relations sans licence entre... Oh mon dieu, tu m'as piqué la meuf, salon dur. Ouvre cette porte. Serena. Merci, Claptrap. Gagnant sur toute la ligne, c'est génial. Allons, en avant. Jack, oh, mon Jacky, fallait me dire que t'étais en ville. J'ai retrouvé le signal qui brouillait nos systèmes sur Helios. Devine, il venait d'ici, de ton bureau. Le signal? Le signal! C'est elle qui m'a forcé. D'où est-ce qu'elle venait? Je t'en prie, vas-y, mens un peu. J'ai vraiment envie que tu mens. J'en sais rien. Qu'est-ce que vous allez faire de moi? Rien du tout. Je voulais juste te faire peur. Allez, maintenant, tu dégages. J'ai bien réfléchi. Il y a un moyen de revenir sur Helios. Je me rends. J'allais te laisser la vie sauve, espèce de débile. Mais c'est quoi ton problème? Ah, le sang, je le modifie parce que j'ai les physiques, c'est ça. Vivifiant. Ouais, c'est okay. Cool, ouais. Bon, qu'est-ce que je disais? Ah oui, mon super. Le sang, ça saigne. Pour reprendre Helios par la force, il nous faut une armée. Alors, on n'a qu'à en fabriquer une. Va faire un tour chez Springs. Je t'expliquerai en route. Moi, je reste là, je vais fouiller dans les affaires du mairie. On va construire une super armée de robots. Ouais, génial, voilà ce qu'il nous faut. Un châssis de combat bien solide et une IA militaire ultra sophistiquée pour le faire marcher. Springs pourra nous aider pour l'IA. Et Moxie, tu sais où je pourrais assembler des super robots? Vu que ce laser géant va tuer... bah, tout le monde, je connais quelqu'un qui voudra bien t'aider à trouver du matériel. Ah, je t'ai coupé la parole. Ah merde. Ce laser refuse de s'arrêter. Je sais pas où je suis moi.
Je t'ai suivi. Merde, je suis tombé sur toi. Ah, d'accord, c'est ici. La petite Moxie derrière son bar rit. Elle s'enfile gâteau et whisky. Quand arrive Jenny comme une petite souris, elle oublie l'idée d'avoir... Moxie m'a dit que tu cherchais une IA militaire. Vraiment désolé. Mais ta meilleure chance, c'est Pickle, un ami à moi qui vit dans les Outlands. Oh, on est déjà au chapitre 5. Presque impossible à contacter, mais je peux t'aider. Prends cet encodeur. Merde. Alors, la quête, c'est où? C'est là ou c'est... Non, c'est là. Machine pas marche. Avoir gros problème. Réfrigérateur médical cassé. Les organes, les échantillons, mon dîner, tout va gâter. Avoir besoin, glace spéciale, conserver chose longtemps. Toi, chercher petite glace, et moi, je payais toi, d'accord? Faudra faire preuve de sang-froid. Non, oh, pardon, j'ai pas fait exprès. Oui, c'est bien. Tu prendre foreuse, allez. Allez, hop. Foreuse. Nina, heureuse. Prendre foreuse et rapporter glace. Je peux l'équiper ou pas? Non, je peux pas. Moi, sûr, ça est. Attends deux secondes. Je regarde s'il n'y a rien d'autre à leur enquête. Ça, c'est à Plaine de Triton. Hello. Bessie, ma broyeuse a fini par me quitter et je vais devoir trouver des pièces de rechange. Je sais bien que les pièces de broyeuse, ça pousse pas sur les arbres. Mais heureusement, j'ai entendu parler de deux broyeuses de pillards que tu pourrais inspecter. T'en fais pas, elles sont volées toutes les deux. C'est pas comme si tu les aides, des gens honnêtes. La première est à l'arrière d'un buggy. J'envoie les coordonnées sur ton système Echo. Au boulot. Alors on détruit. C'est dans cette zone ou pas là? Je comprends pas. Ah, c'est dans la zone à côté. Non, du coup, ouais. On va faire les deux annexes. On va se téléporter à la plaine de Triton. Voilà. Ah, c'est quoi toutes ces quêtes? Il y en a une là, une là, une là. On va tout prendre. On va tout prendre et on va tout faire. T'auras du mal à rejoindre Pickle à pied. Mais je peux t'aider en te filant un Stingray. C'est une vieille technologie de dalle. Ça paie pas de mine, mais Moxie a bricolé le modèle. Du coup, ça saute aussi haut qu'un skag en chaleur. Le problème, c'est qu'on n'en trouve pas partout. Mais j'ai mis la main sur cet encodeur. Vraiment par hasard. Et il est censé débloquer la numérialisation dans cet ancien garage de dalle où je t'envoie. Une fois que t'auras débloqué le Stingray là-bas, je me débrouillerai pour que t'en trouves dans tous les Munzumi. Ah, il y a plusieurs quêtes par contre à prendre. Ouais, c'est pour ça. Je voulais prendre tout de suite les quêtes. Chercher une quête là-bas. T'es qui? Tu veux battre mon record, c'est ça? Bonne chance. Ouais, c'était du sarcasme. Si tu sais pas ce que c'est, cherche dans un dico. Personne est meilleur à la course que les Lunestalkers. Ou au contraire. Je me suis fait défoncer. C'est ça, ouais. Par un buggy. Trouve-toi un buggy lunaire et prouve-moi que j'ai tort. On dirait une de ces super armes laser, là. Il faut qu'on l'essaie. Les pillards du coin se déchaînent un peu beaucoup ces derniers temps. On va tester cette arme contre eux. Ok. On va équiper cette arme. Morveux, c'est ça? Ah, j'aimerais bien que tu lui donnes une bonne raclée. Et je crois que je suis pas la seule dans ce cas. Va te placer sur la ligne. Le compte à rebours commence quand t'es sur la ligne de départ. Donne tout ce que t'as dès que les lumières s'allument. Balle-t'en autour du gamin et nargue-le jusqu'à ce qu'il pleure. Nul! Tu me rattraperas jamais! Tu veux faire la course? Bah vas-y, fais-la. Si tu réussis à le battre du premier coup, je te filerai encore plus de crédit. On va montrer aux chiards qui c'est qui commande. Bon
sang. Si tu mettais encore plus longtemps, on serait déjà la semaine prochaine. Ah, on la fera plus tard parce que c'est tout le monde qui on doit tous la faire. Ah, ok. Je me fais. Bon sang, si tu mettais encore plus longtemps, on serait déjà la semaine prochaine. Bon sang, si tu mettais encore plus longtemps, on serait déjà la semaine prochaine. C'est bon, non, on a compris. Fouille les débris et trouve-moi le lien de désassemblage. Il a pas dû disparaître. C'est solide, ces petites bêtes. Alors je vais prendre la dernière quête qui est là-bas. Moi je vais m'occuper de cette tourelle. T'as pas reçu une arme laser dans ton inventaire? Une arme laser blanche. Ah, j'ai pas regardé. Regarde. Ouais, si, ouais. Arme faut que tu l'utilises pour une quête. Vas-y. Pour Zap 1.0. Ah, bah c'est là. Débarrasser cette terre de ses seigneurs de guerre et ses rois et reines minables. L'armée de libération des peuples est la tempête qui menace à l'horizon. Apportez-nous des armes. Des armes. Des armes. Avec des armes, nous ferons résonner le tonnerre. Apporte-les à notre point de livraison à Concordia. Et si tu en apportes assez, tu recevras une récompense. On va donner des armes ordinaires, d'accord. Si tu trouves des armes blanches, tu les prends. Bah, là, je vois rien. C'est... Bon sang, si tu mettais encore plus longtemps, on serait déjà la semaine prochaine. Ah, mais ils vont arrêter de me. T'es mort. Même si ça. Tu peux utiliser des lasers dans le vide total, ils sont plus efficaces dans l'atmosphère parce qu'ils enflamment leur cible. Et pour ça, eh ben faut de l'air. J'espère que tu me suis. Oh merde. Ah, non, c'est bien, bon, les balles rebondissent. Mais oublie pas, les lasers, c'est encore mieux quand il y a une atmosphère. Ouais. C'est comme si tu nettoyais la lune en la débarrassant de ses pillards comme ça. Il en reste quelques-uns. Allez, monte. Mais non, mais comment je fais pour courir sur ça? Voilà. J'ai plus d'ennemis. Si, ils sont tous de mon côté. Ah, ok. Ça à Concordia, donc on le fera plus tard. Cette quête là, parce que je suis juste à côté. Bon sang, si tu mettais encore plus longtemps, on serait déjà la semaine prochaine. Oh, double laser, ça fait tellement mal. Foutu. Mais pas de panique, il y a toujours cette deuxième broyeuse. Elle est dans un camp de bandits dans une vieille gare. C'est deux oreilles pillards qui règnent là-bas, les boosters. Vas-y faire un tour et dis que j'ai besoin de pièces de rechange. Ils te diront « Oh, mais bien sûr, serre-toi donc !» C'est ça, ouais.
Je mets à jour ton système éco. Va me buter tout ça. J'y vais. De l'annexe, de l'annexe, de l'annexe. Que ça. Je regarde, on a 22 minutes. Mais un peu moins même. Geronimo! Dans quelle zone par contre ça? Ah, c'est. On fera celle-là après. On va faire la course. Ouais, j'arrive. Va falloir réussir, hein. Ça va être chaud sinon. Et où la course? Ah mais ils font chier. Si tu mettais encore plus longtemps, on serait déjà la semaine prochaine. Ah, elle m'énerve à dire ça. Si tu mettais encore plus longtemps, on serait déjà la semaine prochaine. Attends, là parce qu'il y a des. Si tu mettais encore plus. Ah bah, c'est parce que t'es dans la zone en fait, ça fait ça. Ah, c'est à chaque fois qu'on passe dans le truc. Début du compte à rebours. 5, 4, 3, 2, 2,5, 2, 1 quart. Et. 1 go. Et c'est parti. Par où qu'il faut aller? Il faut suivre. Là-bas. J'entends mon sang qui oh non putain. Tellement je suis fort. Oh non, je suis peut-être tellement doué que je vais exploser. C'est quoi ça? C'est quoi ce bruit? J'ai du mal à conduire. Hey Springs, t'as dégoté un pilote sans jambes? Allez quoi, donne-moi quoi son rire. Je vais pas en dire un cochon. Pardon. Oh merde! T'es tombé? Ouais. Ah bordel. Ça va être chaud. Je pense pas qu'on va réussir. Hein. Je vais essayer, mais. Oh non! J'ai si peur! Quel suspense! Je vais à deux à l'heure. Allez, 20 secondes. Ouh. Le dernier. T'as triché. Et je me sentais pas bien. Et puis j'avais un truc dans l'œil. Et ouais, c'est je ça. Voyais pas où j'allais. Et puis je me suis laissé distraire. C'est pas juste. Ha. Bien fait pour ta gueule, Nappikins. Tu t'es fait battre du premier coup. Chasseur de l'arche, c'est ce petit ange lui-même qui te remettra ta récompense. Oh, c'était chaud, mais bon. Ok, toi t'es comme ça. Papa, il y a une dame trop cool avec une super épée qui vient de battre mon record en trichant. Ah, ils auraient pu, ils auraient pu nous faire combattre contre son père, je sais pas. Ils auraient pu nous donner la voiture. Ah voilà. C'est ça que je pensais. Aïe, Lunestalker père est pas exactement un gros nounours amateur de Kalinou. J'aurais dû m'en douter. J'en prendrai un gamin. Tu n'as donc pas d'honneur, chasseur de l'arche. Vas-y papa. Je vais t'arracher les tripes et en faire une frise pour la chambre du petit. Il est mort. Attends. Ah, on l'a même pas. Si, il est mort. Attends, viens. Il est en arrière. Là. Ah, j'ai peut-être pas la même quête. Non, c'est pas la même quête, mais c'est pas une quête, c'est juste. Voilà. Ok. Se rendre au ravin gelé. Normalement, t'as la bonne quête. Bien, c'est la map. Ouais, c'est par là.
course. Non, par là. Ah merde. Ah je crois. Ah je pense. Non, ouais, c'est non, pas par là non plus. Je sais, j'ai vu où c'est. Ah ok, faut faire tout le tour en fait. Oh non, il faut passer par en dessus. Voilà. Ici. Je change mon arme moi. J'en prends mon arme. Celui-ci. Voilà. Là, combien? Ouais, à peu près 25 minutes de jeu. Classe de grotte, être spécial. Elle contenir méthane, éthane et autre chose en âne, très résistante. Mais faire vite, grotte, être gelée et dangereuse. Gardez sans froid. Nina faire blague. T'as ça, ce clin d'œil, je sais pas moi. Pourquoi? Et pourquoi? Foreuse, bien marché. T'es là ou pas? Attends. Ouais, je t'arrête. J'ai vu quelque chose en rouge. Vouloir jouer. Toi, jouer à les tuer et prendre glace de Nina. Un truc de glace, il restaure la glace. Quoi? Que faire, bestiole dangereuse ici? Toi, tuer! Non, ça me lag. Soit prendre glace spéciale, puis déplacer foreuse à autre endroit. Bien, la foreuse a terminé. Déplace-la pour qu'on ait plus de glace spéciale. Je l'ai déplacée. Voilà. Plus qu'à attendre. Bon, moi je mets mon point. Ouais, pareil. Lance d'explosion. Bien, prendre glace puis déplace foreuse autre endroit. C'est très bien. Déplace la foreuse une dernière fois. Bonjour, mon verre est aussi chaud qu'un cul de dragon. Rapporte-moi cette glace spéciale et je te filerai un super fusil à pompe. Elle donne quoi sinon Viande et sans faire glace étrange. Ah, pas être attention. Normal. Ça sent le boss. Oh, oh si. Et ok. Avec foreuse de Nina, tu bestiole. Ok. Pourquoi il bouge pas? Ok. Là, glace spéciale, prends. Prendre foreuse, allez. Y a rien. Sérieux? Il a dit allumer le feu. Allumer ouais. Le glace et foreuse à Nina. Vite. Je sens drôle. Je l'ai au trap. N'oublie pas mon verre. C'est virtuellement une urgence médicale. Non, moi je la donne à Nina parce que j'ai pas besoin de fusil à pompe. Et toi, tu penses que tu vas donner à qui? Elle donne quoi, Nina? Attends. Je sais pas, je crois que. Un fusil d'assaut. Enfin, un truc comme. Ouais, bah vas-y, Nina. On va déjà aller à la foi de Stanton. Au foi de Stanton, plutôt. Il y a pas quelque chose ici? Tu quoi ce truc? La violence est un filarissement, je crois.
c'est cheaté ce truc. Et voilà. Piu piu. Voilà. Ah ok. Je vais là-bas. Bon, il y avait rien là en fait. Le truc, donner les 50 armes normales, ça doit être long quoi. Faut les acheter et les redonner quoi. Des armes blanches hein. Ouais. Et j'en ai pas. Pour la quête, ou des... pour la quête aux armes, ça donne un casque. Je sais pas où est la zone. Ah, elle est toute là-bas, merde. Alors, on va faire cette annexe et ensuite on retournera à Concordia pour, et on finira la vidéo sur le rendage de quête. Ça roule. On va prendre un véhicule. Faire le tour déjà. J'ai envie d'essayer de sauter. Ah, t'as oublié de redéployer. Ouais, je... Enfin, je voulais me mettre dans ton véhicule. Mais... Ah. C'est lequel du coup? Ah, bah c'est. Déjà allé je crois. Bon, on est déjà allé. Voilà. Alors, oh c'est pas loin ça. Pour une broyeuse, eh bien démerde-toi, celle-là est prise. Salaud. Salaud. Ah, j'ai plus de munitions. Ah, il fallait dire. Il aurait dû falloir faire le plein. Pas grave. C'est tellement OP le gel. C'est la chose la plus OP du jeu. On n'a pas encore tout vu, je pense. Ah non, mais pour le moment, de ce qu'on a vu, c'est ça le plus obligé. Parce que geler pendant 10 secondes une personne. C'est vrai que 10 secondes, c'est beaucoup. On m'a prévenu que t'étais pas du genre à reculer, même sous la pression. Eh bien, j'ai une petite surprise pour toi. Moi, j'avance. Saint Pancréa quoi. Ah non, c'est la station Pancréa. Je... Brutal, droit devant. Ah, brutal ou ça? Y'a rien de tel qu'un démembrement réussi. Oh oula. On se calme les gens. J'adore.
ça c'était bon. Bordel. Oh la loi brutale. Je viens de faire du 1500 de dégâts avec mon bouclier. Voilà. Encore dans l'halo brutal. Ouais, oui. Santé. Tu viens? J'arrive. Hop. Ah, où est-ce qu'il est? La santé est par ici. Alors. Ah ouais, il est en bas plutôt. Ah non. C'est un pancréas, très bien. Ouais. Non, c'est station pancréas. Mon avis. Ouais. Est-ce que c'est... Où est-ce qu'il l'a mis? T'en haut? Ah c'est bon, j'ai trouvé. Super. Aucun signe de Rooster Booster. Il a dû filer comme un trouillard. Explose cette machine et sors-en la matrice de réassemblage. Heureusement que c'est du solide ça aussi. Bon sang, c'est plus solide que j'aurais cru. Bingo. Pile ce qu'il nous fallait pour ouvrir cette broyeuse récalcitrante. Je défonce ce mec quoi. Horreur. Il manque un explosif, où est-ce qu'il est? Occupe-toi des petits ennemis toi pendant ce temps-là. Ah c'est ce que je fais. T'as besoin d'aide? Non ça va. Oh bah voilà, je vais tout faire exploser. Il est où? Joli. Maintenant éloigne-toi un peu, règle le détonateur et ce sera tout bon. Les dégâts impressionnants. C'est bon, t'es assez loin. Super. Maintenant, fais tout péter. Voilà. Super. Reviens me voir, on va pouvoir se remettre à broyer tout un tas de trucs. Ok, et Spring, c'est où? C'est à Concordia. Donc là, ce qu'on va faire, c'est on va aller voir la personne là pour les armes blanches. J'ai un peu d'armes blanches ou d'armes inutiles dans mon sac. On les donnera. Tu donneras aussi tes armes inutiles si t'en as pris. Ouais, j'en ramasse quelques-unes. Après, j'irai. Enfin, je sais pas, j'ai combien de. J'en ai 26. Après, j'irai augmenter la taille de mon. Sac. Attends, on va voir si on peut prendre le truc, l'épée. Excalibatar. Ouais. Excalibatar. Du one shot, du 508 dans la tête. Le mal. Escalibatar m'attend, j'arrive. Un amour.
Ça, c'est du butin. Assez de force. Toujours passé. Mourir. Oula. T'es mort aussi. Oh non, il se casse. Reviens. Il vient me voir, il vient me faire un bisou. Oh le salaud. Je prends le téléphone. Oh, il va die. Oh non. Il lui manquait 3 HP. J'ai dû recharger. Combien de temps? 43 minutes. Ça va. Le temps il passe tellement vite. On joue à jeu. Ouais. Mais dis pas que tu peux pas respirer. T'es dans une zone d'oxygène. Si tu veux respirer, tu respires et puis c'est tout. Ah là là. Oh, j'arrive sur le temple, attends-moi. Ah. Ah, t'as pété ta voiture, d'accord. Là, c'est bon, tu peux y aller. Oh. Alors, c'est où exactement? C'est tout au fond, d'accord. Vas-y, vas-y. Voilà, c'est ça. Tout droit. Toujours tout droit. À gauche. T'as pas besoin de respirer, si. Mais moi je suis obligé pour avoir l'oxygène. Attends, je vais activer le truc. Eux, ils m'énervent là. What? Ah, ce putain de tonneau. C'est toujours là. C'est opté vu que t'es invisible. Tu peux utiliser aussi l'oxygène hein, pour. Ah oui, à chaque fois j'appuie sur E. Mais... Voilà. Grâce à ton aide pour équiper nos soldats, ils partiront au combat avec une vigueur renouvelée. Bonsoir, j'en ai que deux. Moi aussi. Allez, allez. Ah ouais, ça prend que le blanc, c'est chiant. J'ai donné 2 armes, waouh. Pareil. On fait 4. Donc là, on va laisser porter la ville, on va rendre les quêtes. On reviendra dans cette zone la prochaine fois pour valider. Yeah. Ah, pour faire la quête principale, je veux dire. Prochaine vidéo, c'est à dire pour nous dans 10 minutes et encore. Alors par là-bas. Tombe. Une toupie. Ce que je vais faire, c'est que je vais acheter toutes les armes blanches qui sont présentes ici. Je les donnerai après. Par contre, j'ai plus d'argent. Moi, je vais vendre des armes violettes que j'ai récupérées. Ouais. Alors, ici, y'a rien. Ouais.
Non, enfin, je reviens vite fait. Attends ici, je vais juste déposer les armes blanches que j'ai pris. Marche. J'ai dû en prendre 5 ou 6 là. Il restera seulement 30 à donner. Seulement. Je te dirai quand tu pourras activer. Voilà. Catastrophe. Les armes que nous avions trouvées ont été volées par des bandits sans pitié. Attends. Qui utilise ce butin pour saccager la lune. Je t'en supplie, retrouve-les et récupère nos biens. J'envoie leurs coordonnées sur ton système écho. D'accord. On la fera plus tard quand on reviendra. Donc tu peux téléporter maintenant, c'est bon. Tu peux téléporter. Ouais, ouais. On a fait des annexes, on n'a pas fait le principal dans cette vidéo. Valider ça. C'est en haut. Ah tiens, salut, suis-moi. Ah, sur ça, on va avoir des armes, non? Je sais pas. Tu vois Bessie là-bas? Place le lien de désassemblage et la matrice de réassemblage. On va voir si elle repart. Ce laser fait partie d'un système extraterrestre. Ouais! Elle a ressuscité! Mais on va quand même s'en assurer. Avec de la chance, ces petits bijoux peuvent recracher de bien belles pièces d'équipement. Mais faut d'abord savoir quoi lui donner à manger. C'est un peu comme une recette. Tu mets 3 armes de qualité égale et t'obtiens parfois une arme de qualité supérieure. Oh non, j'ai vendu mes armes violettes. J'ai des vieilles armes sur la table là-bas. Utilise-les. Ah, je... ah bah je... c'est ce que je vais faire pour du orange alors. Je vais utiliser une clé et à chaque fois c'est 3 armes. Place-les dans la boîte. Je vais utiliser une clé. On va voir ce qu'elle te recrache. J'espère que ça en vaudra la peine. Technologie de broyage dalle. On concasse votre Camelot. 3 objets à broyer. Ah, j'ai eu un gros bazooka, donc je vais peut-être te garder. Eh mais il se fout de ma gueule. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Il y a pas mal de des armes qu'on mais malheureusement aucun mode d'emploi. Faudra ah, ça peut marcher peut-être même pour des si je crois bien avoir entendu un jour qu'avec des pierres lunaires, on obtenait toujours le meilleur résultat possible. D'accord. Enfin bref, bonne chance et merci du coup. Tu les as bien calmés ces pillas. J'ai bricolé un peu ce laser que tu m'as apporté. J'ai abaissé son thermostat. J'aimerais bien voir la réaction des torques. Une autre faune intéressante, Delpis. Ça te dirait de l'essayer en m'aidant à faire un peu de ménage au passage? On va juste tester ça. Comment je fais du coup pour... Ah, un sacré butin. Attends 2 secondes, je vais le faire. J'ai déjà testé pour moi si ça marche. Technologie de broyage dalle, on concasse votre Camelot. Ah, attends, hop. La broyeuse n'attend plus que toi. Tu vas broyer que dalle à ce rythme, soldat. Pourquoi je peux pas broyer ça? Ah, c'est pas ça. Ah non, je peux pas. Mais qu'est-ce qui va pas chez toi, espèce de minable? On pourrait pas inventer un mot qui rimerait avec monstre? Non, je peux pas. Essaie encore, soldat. On peut pas broyer ça, pourquoi? On peut pas broyer du violet, ah d'accord. Ah merde. C'est pas grave. Moi j'ai que du violet. On va valider les autres quêtes. La quête des trous dans la glace. On va les donner à Nina. Nina est tout au fond, d'accord. Boum, je prends le panneau. J'ai faim.
Où est-ce qu'elle est, Nina? Elle est là. Bon travail fait. Toi rendre Nina très contente. Toi soigner elle maintenant. Nina plaisanté. Toi éjecter Nina. Nina éjecter toi. Fort. C'est tout. On devra retourner au foie de Stanton plus tard. Enfin, on va dans la prochaine vidéo. Donc, nous allons vous arrêter là. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout s'abonner à la chaîne. C'était The Dead pour GTPN HD, toujours en compagnie de Jay-Z. A plus. Passez une bonne journée, une bonne soirée. Et vive les jeux vidéo.